Bonsoir, je suis Bob Lennon, bricolo gigolo Lennon, et aujourd'hui, dans notre maison du plaisir, oh là 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 là, regardez ça, c'est comfy, j'ai rajouté quelques lampes, j'ai rajouté une horloge, j'ai bidouillé 2-3 détails, remis à neuf quelques meubles, notamment ces meubles de l'entrée, tu vois, avec un évier et tout, et sans déconner, c'est confortable, j'ai aussi intégralement, intégralement refait, repeint la salle de bain, braves gens. Changer les chiottes, changer la douche, changer l'évier. J'ai laissé ce tableau parce qu'il me fait rire. Voilà, si tu veux, ce tableau est parfait. Et derrière, on a l'image floue de David Bowie qui nous juge sans aucune forme de pitié. On est plutôt au confort ici. Alors du coup, on va se faire une petite mission aujourd'hui de rénovation. Puis on vendra la maison et on verra ce qu'on peut en tirer. Alors aujourd'hui, on est en yens. J'ai donc 7 millions de yens. Et on va s'occuper du bunker habitable. D'accord. Donc il faut installer une belle maman dans un bunker. Il devrait y avoir du riz et des pâtes en grande quantité, qu'il me dit. Très bien, les cafards ont l'air d'être présents. Allons-y. Tu dois 70% de chantier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je monte des chiottes pour que maman puisse se chier dessus. Que j'installe une cuisine pour que maman y trouve une place... cutanée, et que j'enlève les ordures et que je nettoie. Ok, bah très bien. Donc il faut en faire en sorte que maman soit bien installée, somme toute. Bien installée, il n'y a absolument aucun souci. Pourquoi je vois des choses... Il y a de la saleté, là, sur la map? Ça marque des choses. Ou alors ce sont des craquelures. Il faut savoir que j'ai gagné le point A. Eh ben allons-y. Belle maman, on va t'installer bien. Voilà, on installe la lumière... Ah d'accord, ce sont des cobwebs, ok, je vois. D'accord, là il y a des conserves, des cafards, des conserves, des cafards. Qu'est-ce qui est des ordures, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est difficile à dire, difficile à déterminer. Est-ce qu'on laisse les cafards pour que maman se sente moins seule? Oh, les cornichons! Oh là 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 là, les bouteilles de pisse! Le mec a appris les meilleures techniques de survivalisme. Le gars, il fait fermenter, il peut faire de la bière. C'est horrible. C'est absolument immondax. Alors je... Mazette. 7 millions ça vaut. Ça vaut 7 millions? Non, 7 000 yens. Pardon, j'ai rien dit. Voilà, évidemment, ce serait malhonnête. Ok, très bien. Virons, continue à virer les ordures. Une fois que toutes les ordures seront virées, ça c'est kit de soins. Ça c'est... Je vais pas ranger. Hein. Il m'a pas payé pour ranger. Il m'a payé pour nettoyer. Ce sont deux choses très différentes. Allez, allez, les petits cafards. On rentre tous dans la Pokéboule. Tout le monde dans le Poké-aspirateur. Le Poké-aspirateur, le Poké-aspirateur. Craignez-moi, craignez-moi. Oh là 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 là. Si seulement c'était aussi simple de nettoyer la politique en France. Oh. Oh là là. Voilà. Excellent. Nettoyons maintenant tout ceci. J'ai bien comme je récure la crasse, mais que je range rien, tu veux. Le mec, il a laissé ses bouteilles de pisse traîner. Moi, qui suis-je pour le juger, si tu veux? Qui suis-je? Qui suis-je pour lui en parler? Là, il y a un truc, ça dit. Mais je sais pas ce que c'est. Donc que ce soit une boîte, qu'est-ce qui... C'est ça qui gêne? Ah, il fallait que je vire la chaise. Ah, la chaise est considérée comme une ordure. Très bien. Belle maman a le droit de s'asseoir sur son gros cul. Voilà, ça fait 40 ans qu'elle travaille dur à avoir un fion confortable. Là maintenant, c'est l'heure pour elle de capitaliser, si tu veux. Mes lumières, on nettoie tout. Ça va vite. Là, on va installer un cockshed pour mamie, histoire qu'elle s'installe bien. Là, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Mais il reste de la merde. Voilà, ploup, 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 c'est rapide. C'était somme toute très très rapide. Hein. Ça mène où ça? Ah, directement dehors! Mais c'est fantastique! Mamie, elle veut prendre l'air, bré! Oh là là là. Bob, tu cherchais peut-être un semainier d'ailleurs. Ah oui, parce que j'étais en train de ranger. Fais voir, semainier. Non, ça n'existe pas.
n'existe pas. Non, mais je pense que le meuble que je cherchais n'existe pas. C'est pas grave. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que j'installe? Turbine génératrice d'énergie. Meuble de cuisine avec évier. Meuble de cuisine deux portes. Meuble à étagère suspendue. Lit superposé. Table simple. Chaise ingolf. Et plaque à induction. D'accord. Et là-dedans, tu veux que je lui mette des chiottes, un évier et une douche. Rien de plus simple. J'ai fait ça à la maison. Rien de plus simple. Mamie, laisse-moi t'installer. Ta douche axe. Attends une seconde. Alors, donc ça c'est pour l'évier. Voilà. Voilà, très bien. Et ça, les chiottes. Ok. Je disais donc, la douche axe pour 14 000 yens. C'est bien sur ce... C'est bien, ici... Sur Bob Lennon, on apprend la vraie valeur de l'argent. Voilà. Entre les quais, enfin les sexes, les roubles, les dongs et les yens, on a une certitude de la valeur des objets qu'on achète et qu'on utilise. Hein. C'est bien aussi. Hein. C'est bien. C'est bien d'être au courant. Voilà, nous on est éco-responsables. Tout est en amiante. Mais Bob, c'est pas éco-responsable, l'amiante. Si, puisque ça va tuer les gros lards qui habitent ici plus vite. Et donc, statistiquement, ils pollueront moins. Voilà. Impeccable. Voilà. Putain. Ah, il met des plombes à s'installer, ce truc. Allez. Vivement que j'achète les upgrades. Voilà, enfin. Est-ce que j'ai des points d'XP à dépenser au passage? Voyons voir. Oui, homme à tout faire, plâtrage, montage. Oh! Et tenir jusqu'à 3 tuiles ou panneaux, les poser 25% plus vite. J'ignore complètement de quoi ça s'agit, donc on va prendre montage 100% plus rapide. Donc là maintenant, c'est ultra instinct si tu veux. Salaire x3, exigence de chantier, on s'en fout. Augmentation de 5% de chance. Possibilité de négocier les prix, excellent. Juste avant qu'on vende notre maison, nous avons choisi le meilleur moment de notre vie pour faire ça. Du coup là, il nous faut un évier, facile à installer. En plus, on va bénéficier du bonus de 100% de vitesse. Donc allons-y. Poids. Je sais même pas où faut cliquer. Ça va trop vite. Ouah. Oh, l'ultra instinct. Et voilà, c'est allé vite. Hein. Nouveau point de compétence, comme quoi. Gaz, gaz, gaz. Plâtrier ou carreleur. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, on va juste installer des chiottes. WC. Du meilleur goût. Du meilleur goût pour mamie. Voilà. Nous, on est au summum du goût. Ici, bien évidemment, à Bob Lennon Productions, nous améliorerons toujours l'expérience utilisateur de nos gens. Parfait. Excellent. Voilà, pour que mamie ait quelque chose, si tu veux. Qu'elle puisse passer du temps et probablement du bon temps. Alors, turbine génératrice, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut? Où sont les quêtes? Tâche. Ok, turbine génératrice, 119 000 yens. J'espère que je serai payé cher pour ces conneries. Voilà ta turbine, mamie. Un évier, très bien. Voilà mamie. Un meuble. Voilà mamie. Une étagère. Voilà mamie.
un lit bunker superposé. Voilà mamie, ce serait dommage qu'elle puisse sortir. Une plaque à induction. Voilà mamie. Une table simple. Dans ce cas, il faut choisir. Voilà, en cerisier. Attends, c'est cher ça. Noyer, orme américain. Qu'est-ce qui est le moins cher? Bois gris, cèdre, bois foncé. Voilà, on s'appelle. Câble. Et deux chaises. Alors en plus, histoire de trigger l'autisme de mamie, on va mettre deux chaises, mais pas de la même couleur. Parfait. Voilà. Bien sûr, ici, chez Bob Lennon Productions, nous allons toujours plus loin. Toujours plus loin dans l'expérience utilisateur. Toujours plus loin. Le petit cadeau extra de la boîte. Ah, j'aime bien celui-là. Bother, said Pooh as he chambered another round. Quel dommage, dit Winnie l'ourson, alors qu'il chargeait une deuxième balle. Fait rire celle-là. Un petit coup de Fred, hein. Petit coup de Fred, c'est toujours propre, hein. Christina Corlina exprime donc. $340 000 yens, hein, c'est cher. Hein. Pour l'expérience utilisateur. Non, moi je propose de leur laisser ma carte de visite. Parfait. Excellent. Ils sauront où me trouver s'ils ont besoin. Bien évidemment, ici, à Bob Lennon Productions, on va toujours vérifier l'expérience utilisateur maximale afin de vérifier que les usagers ont vraiment tout ce dont ils ont besoin. Fait le tour, hein. Parfait, voilà, excellent. Voilà, le, peut-être un peu trop haut, mais ça rentre. Honnêtement, c'est bien. Du moment que l'angle est parfait, du moment que l'angle est bon, moi, aucun problème. Terminé la mission, même pas besoin de sortir. Allez hop. Nous avons toujours rêvé d'un beau séjour. Ouais, bah ouais. Quel bordel. Ça, c'était la piole de base, hein. Quand même, on a fait du chemin. Hein. On a fait du chemin. Hein. Je trouve la question, elle est vite répondue. Putain, elle est parfaite. Elle est juste absolument parfaite. Oh, ce RTX. Ce Fabio. Ah, et ça, ce serait pas mal de leur laisser un poster géant. C'est dommage que ça coûte tellement cher de laisser des posters géants parce que sinon, moi je... c'est de bon goût, je trouve. Hein. Tout ceci est de bon goût. Hein. Y a pas de souci. Alors, du coup, cette maison qu'on s'est fait chier à retaper quand même... On s'est fait chier à retaper bien. Est-ce qu'on peut tenter de la vendre? Il faut qu'on en achète une d'abord, on est d'accord. Moteur de recherche à vendre. Attends, mail, archive, non. Moteur de recherche. Mettre en haie. Contact. Où est-ce que c'est? Acheteur, c'est ça. Famille Jean-Jean. 35 ans, marié, 3 enfants et une grand-mère. Complexe. Jean Choing. Ne pense qu'aux études. J'ai... Tout pour toi. En plus, c'est un zoomer. Il est parfait. Inspecteur des impôts, le plus important, c'est de payer le moins cher possible. Cherche une maison tendance et stylisée. Achète une maison pour la louer. Célibataire, teuf, meuf et alcool. J'ai peut-être tout ce qu'il faut pour cet homme. Jean Traître, il est parfait cet homme. Raphaël Erco, famille saignée, Véronique Labouré, loup solitaire. Théodore Laflèche et Marie Kowalski. Putain, le problème, c'est que j'ai peur de rater ma vente, si tu veux. J'ai peur de rater ma vente. Allons-y. Prenons les risques. Moteur cherche, déjà, achetons-nous une maison. On a 8 millions d'yens. J'aimerais partir sur la maison de plusieurs générations, à 7 millions d'yens. Voilà. Ça me paraît honnête. On me dit que la maison qui cache quelque chose a quelque chose, mais elle est trop chère pour l'instant. Donc, on va choper cette maison. On va acheter la maison. Elle a l'air bien déglingus.
Mais on va faire avec. T'as acheté une nouvelle maison, tu veux y emménager tout de suite? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Voyons la gueule du lieu. Laissez-moi boire un coup. Sur la gauche, les vignettes des acheteurs. De temps en temps, ils vont faire des commentaires sur ce que tu fais. Fais attention surtout à ceux du haut. Plus ils se trouvent haut, plus ils sont prêts à acheter la maison. Ah! Mais, je peux pas vendre mon cockshed? C'est à ma petite maison dans la prairie nulle, je peux pas la vendre? Non? Bon, d'accord. Ok, bah écoute, allons-y, hein. Là, on travaille, mais pour nous. C'est le meilleur des travaux. Le sac poubelle qui traîne. Je rush un peu. Je fais le tour du propriétaire si tu veux. Je pense même à passer un coup de balai parce que ça touche à travers les murs, hein, le balai. Il est super puissant. Voilà, donc je... Voilà. J'utilise le balai Maximopodère. C'est un balai d'une puissance incroyable. Nouveau point de compétence, fantastique. On a tout gagné, mon gars. Ok. Et là, il y a des ordures. Ok. Viens, les clopes. Pas mal. Pas mal, pas mal. Virons les tâches. D'abord, faisons le tour de la maison, hein, pour être sûr. Voilà, il y a des problèmes à l'étage. Je peux pas encore les virer. C'est une question de temps. Mais voilà, l'important, c'est de virer toutes les toiles d'araignée, tout ce qu'il y a au bord. Je me fie à la map, là. Hein. Je regarde la mini-map. Je vous avoue que je ne joue absolument pas... Je joue absolument pas au visu, là. Je me fie à mes instincts de super souris. Ok, super. Oh là 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 là. Effectivement, c'est le bordel, c'est le bordel. Eh bien, c'est bien sale, tout ça, hein. Tout ceci, c'est pas très très propre, hein. Je dis bien même, c'est une grosse catastrophe, hein. Voilà. Impeccable. On va vendre des trucs comme ces deux chaises, cette table, les bouteilles de... Voilà. Voilà. On va vendre ça. Impeccable. Le canapé cuir, je vais le garder, je pense. Hop. Là, je me contente de nettoyer un petit peu, histoire de faire ça bien. Voilà, ça c'est cool. Canapé, je le bouge là. Ok. Alors du coup, je me demande comment ça fonctionne. Comment les PGU, ils vont apprécier la baraque que je vais leur pondre. Quelle est l'astuce pour essayer de leur soutirer le plus de pognon possible. À quel point je peux les baiser. Voilà, c'est ça en fait, tout le but du jeu, c'est la baise, je rappelle. Le but du jeu, c'est qu'ils aient l'impression d'avoir fait une bonne affaire, alors qu'en vrai, je leur donne de la merde. Jette tes poubelles à portée, ça le fait automatiquement. Ranger 25% plus rapidement. Jette les poubelles à portée, c'est bien, parce que ça veut dire que du coup, je vais pas avoir besoin... Si ? Faut que j'appuie pour jeter. D'accord, je pensais que en fait ça. Alors pendant que je nettoie. Non. Tant pis. Je sais pas à quoi ça sert, le jette tes poubelles à ta portée. Ah si, ça en fait plusieurs. D'accord, c'est s'ils sont côte à côte, ça les vire. Ok, très bien. On vire cette merde. Ce lit nulos. Ouais, on le vire aussi. Cette armoire crado gang, on la vire. Cette porte dégueulasse, ça vire. Ça vire, ça vire. Elle a l'air en état. Non, ça vire, ça vire. Ça vire, ça vire, ça vire. Ce canapé, il a l'air en bon état, hein, je vais le garder. Cette cuisine aussi, hein. Toute cette cuisine-là, elle a l'air en état encore passable. Pareil pour le frigo, si tu veux. Là, on va ranger toute cette merde. Ouais, ça va quand même plus vite, regardez. Genre, je clique sur une villageoise, là. Je pousse le bureau. Je clique sur une villageoise et... Boum, ouais, ouais, ça fait un sort de zone en fait, d'accord. Sa zone. C'est intéressant. Ce truc a l'air propre, ça c'est de la merde, je le vire. Ça il est dégueulasse.
Ça, je le vire. Putain, les trous dans les murs. Ça, ces plafonds, ils sont immondes. Je vire tout ceci. Ça, je vire tout ça. C'est immondax. Ça, la merde, je veux même pas le savoir. Ok, très bien. Le bureau, c'est peut-être le seul truc qui est récupérable ici, si tu veux. Dans cette pièce. Le bureau est un des seuls trucs qui a encore un peu de valeur. Et qu'on pourra sans doute en faire quelque chose. Donc pour l'instant, on vire tout ceci. On nettoie. Voilà, ça c'est propre. Et cette pièce, elle est presque bien. Ce qui lui manque, c'est un radiateur, mais il va falloir qu'on décide ce qu'on en fait. Et actuellement, je me demande si je vais pas juste péter le mur, en fait. Et faire un immense salon. Salon kitchenette. Bien installasse confort, si tu veux. Tu vois. Après, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Hein. Encore une fois, l'objectif étant d'arracher le plus d'argent possible aux mécréants qui souhaitent racheter l'endroit. Hein. Aux mecs qui sont là, ouais, trop bien, je peux me faire baiser la gueule. Moi, je suis à parfait, oui, madame. Vous faire baiser la gueule, c'est par ici, madame. Ici, on le fait bien. On le fait avec amour, affection. Cette merde. Voilà, nettoie la tâche. Vire les ordures. Dans cette merde, dans cette merde, dans cette merde. Cette prise, elle a l'air en bon état. Vends cette merde, vends cette merde. Et vends cette merde. On va virer les lampes. On va virer toutes les lampes. Et on va refaire ça à la main. C'est un détecteur de fumée, ça, on va le laisser. ça me paraît abscon, sinon. Il est en coin, ce truc, obligatoirement. Il a l'air d'être en coin. Hein. Oh, il a l'air d'être mortel. Oh, du calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Des slips. Merde, tant pis. Bon, et puis merde. Allez. Voilà. Tous mes documents ne rentrent pas ici. Je veux avoir de la place pour ranger les livres et les documents. Mais ça vient, ça vient. Ça, ça vaut cher, on va le garder. Et ça, je le vire. Ok, très bien. Et ça, il vaut très très cher, donc on va les garder. Ok. Ça, c'est bien, on va le garder. Pas mal. Ça, je vire, parce que c'était dégueulasse. Ici, c'est dégueulasse, donc on va nettoyer X. Voilà. On va nettoyer. La première partie consiste à nettoyer. Hein. Je suis désolé, c'est le plus chiant. Une fois que c'est fait, voilà, enfin, on est à peu près bien. J'ai l'impression que j'ai tout nettoyé, donc la maison est en état. Ça disait que j'avais accès à un étage, c'est vrai? Ça a l'air, hein? Par où? Par où ça monte, vous pensez? Bon. M'inquiète pas. Quelqu'un dans le chat qui a... Je viens de voir le timer. Le timer, pourquoi? J'ai un temps limité pour retaper la baraque? J'espère pas, parce que sinon c'est un peu la baise. Voilà. T'es fou, c'est la meilleure partie de nettoyage. Mais oui, c'est garanti. Après, on va faire de la déco. Regarde, on aère un peu. Voilà. Tous ces murs ici sont sales. Mais quand on pense à l'idée qu'on va tout revendre et se faire un pognon absolument fou. Moi, il y aura un gros investissement de panneaux stonks, hein, dans la maison. Hein. Ça dépend, si t'as un étage, t'as juste le rez-de-chaussée. C'est pas ça, disait un étage, mais c'est à l'américaine, en fait. D'accord. Donc, c'est la baise. Très bien. Voilà, ok. J'ouvre toujours les fenêtres, mais c'est un réflexe, brave Jean. Je vous avoue, c'est un réflexe malheureux. Voilà, très bien, comme ça au moins on peut accéder fastoche. Ok, canapé, bonk, meuble, bonk. Très bien. Nettoyons le reste des vitres. Non, c'est juste le temps, t'as passé 5 heures à te streamer ce jeu, Bob. Oui, j'en suis conscient, j'en suis lucide. Mais avec les tournages que je suis obligé de me taper
la fin du Kiss Kiss Bang Bang et tous les impératifs que je suis obligé de faire, auxquels je suis obligé de faire face, il a fallu que je tourne du contenu à l'avance. Alors, nous avons toujours Monsieur Connard Enculé Mac, Mac Daniel Trust. Le plus important, c'est de payer moins cher possible. Quel enculé! Quel enculé, il paiera jamais. Par contre, il y a la famille qui est très intéressée. Donc, il y a combien la famille? Parce que la famille, ils vont claquer du pognon. Hein. Marié, 3 enfants et une grand-mère. Donc là, boum, chambre des parents. La cuisine. La chambre des petits. Et pensez à mettre un lit supplémentaire pour la grand-mère. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. De ce que j'ai vu, tu peux appuyer sur échappe. Déplacer le bureau ici. Ah! Et vendre ton ancien placard à balai. Ouais, mais mon ancien placard à balai, je me suis fait chier. Voilà, on va peaufignoler ici. On va croquignoler l'endroit. Alors, à votre avis, la famille, quel genre de couleur ils aiment, ces enfoirés? Hein? Information, pas d'information, pas acheté, pas d'information, pas d'information. Damn it. Quels sont les super pouvoirs? Bloqué. C'est vrai que j'ai pas fait de plâtrage encore. Ça me pose un souci, ça. Ça me pose un souci. Bon. Une chose est sûre, on va refaire les murs ici. On va repeindre. Donc, comme on va repeindre. Pour avoir l'info, il faut vouloir vendre une maison. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Donc on va jouer la couleur. Peinture. Non, reviens, mur. Peinture. De la couleur. Fraise souriante. Ouh, j'aime bien ça. Allez. Paf, paf, la cuisine en fraise souriante. Voilà. Et reviens. Mur, peinture, un truc un peu gris et un peu plus étendu, blanc c'est un peu trop bourrin, rose brume non, il n'y a pas du gris, un peu léger, genre du blanc mais moins vénère, beige clair, rose brume, beige naturel, gris beige, cacao délicat, crème claire, peut-être un poil blanc. Crème claire. Voilà. Là, le coin en rouge. Allons-y. Voilà. Tant pis, hein, je tombe pas le mur. J'ai décidé de pas tomber le mur parce qu'il me faut une chambre pour les ninos. Onomatopée propre pour faire ça proprement. Voilà. Excellent. Un peu de glorp là. On glorp. Très bien. Book. Et book. Ah, c'est joli ça pour une cuisine, je trouve. J'aime bien, tu vois. J'aime bien. Après, une chambre pour 3 gosses, c'est short. Bah ouais, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Ou alors, je peux vendre ça aux petits vieux qui sont en dessous. Parce que lui, il achète pour pas cher, cet enculé. Alors que famille Jeannot. Cherche une maison plus petite. Ouais, mais bon, je sais même pas quelle est la taille de la baraque dans laquelle ils habitent. Moi, je dis, les Jeannot, ils cassent les couilles, là. Je peins en rouge, ça, tout le temps. Ouais, allez, je peins en rouge, hop. C'est peint, c'est assumé. Allons-y. C'est peint, le sapin. Ouais, parfait. C'est exactement ce que je recherchais. Nickel. Je sais que c'est une couleur qui est peu entreprenante. Voilà. Et d'ailleurs, ils n'ont pas réagi. Personne réagit au fait que je peigne, là. Genre, la peinture, ils s'en battent les couilles.
J'espère qu'ultimement ça aura un effet. Enfin, si ça en a pas, je suis deg. Voilà. Ouais, le perk de pas gâcher de peinture, c'est quand même un perk qui est absolument indispensable. Ah, sinon tu épuises des pots et des pots et des pots et des pots. Alors que là, on en tire le maximum. Voilà. C'est un processus, hein, je m'excuse. Ah ouais, il y a possibilité avec les petits vieux. Hein. Ouais, j'avoue, mais la famille paiera forcément plus cher. Faites des recherches. Faites des recherches, dites-moi. Voilà. Glorp. 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 C'est un processus, hein, je m'excuse. Ça demande de la patience. Hein. Et de la patience, j'en ai. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire que je suis un grand impatient, c'est faux. Très bien. Ouais, voilà. Ça fait le contraste que je voulais faire. Pam, une cuisine très très rouge pour les enfants. Et un coin un peu plus peinard où je vais mettre télé, sable à manger, tout ça. Ça rendra bien. Ah merde, j'ai plus de peinture. Ben, très con. Après, t'as l'option pour négocier les prix. Et c'est assez abusé, ça. Mais oui, mais la question, c'est comment ça se passe. Pour moi, c'est un mystère, tu te rends compte. Alors, je suis conscient, braves gens, que vous êtes en train de vous dire c'est pas vraiment la meilleure couleur, hein, c'est un peu dégueulasse. Je le reconnais. Je reconnais que c'est pas vraiment top. Mais que voulez-vous? Honnêtement... Achète du plâtre et rebouche les murs. Mais maintenant tu peux plâtrer les trous dans le mur. Ah. Là. Ok. Très bien, je plâtre, hein, brave Jean, je plâtre. Je prends une... Voilà, beaucoup de... Voilà, super, je plâtre. Impeccable, bah et ça plâtre, hein. Ça plâtre, plâtron. Par contre, ça rame du cul. Est-ce que j'ai pas un point de bonus à caler? On va tout faire. Plâtrer, plâtrage 20% plus rapide. Tenir jusqu'à 3 tuiles ou panneaux à la fois et poser 25% plus vite. Carreleur. Je sais pas encore faire le carrelage. On va mettre le plâtrage. Je le regretterai sans doute. Voilà. Plâtrage. Ah bah même pas besoin de poncer. Hein. Moi, je plâtre et dans la demi-heure, je repeins par-dessus. Hein. J'ai pas le temps, moi, madame. J'ai pas le temps ici, on n'a pas le temps. Ici, madame, on plâtre. Hein. On met du placo, on réfléchit pas, on sauce. Hein. Ici, madame, on bosse. Ah, par contre, est-ce qu'on sait faire l'extérieur ou pas? Oh, c'est dégueulasse. Ouais, bon, j'imagine que c'est un des défauts du jeu qu'on ne peut rien y faire. Très bien, on ne peut rien y faire. Mais c'est un style, la peinture à l'extérieur, c'est un style. Ok, très bien. Donc maintenant, je peux me remettre à peindre. Voilà, c'est fini toutes ces interruptions à deux ronds. Oui, il faut plâtrer, il faut plâtrer. Voilà. Franchement, je voulais peindre, moi, madame. J'étais en train de repasser un coup de peinture.
but du jeu, c'était de vendre cette baraque chère. Chère. Et de faire de l'argent. L'argent. Impeccable. Voilà. Ouais. On va reparler de ça aussi. Hein. Pas de raison de laisser ces alcôves absolument dégueulasses. Voilà, très bien. Voilà. Ok. Ok, très bien. Donc là, pour l'instant... Ça rend à peu près comme ça me faisait envie, c'est plutôt cool. Si j'installe des choses comme des télés ou quoi que ce soit, ils vont s'exciter les petits vieux ou pas du tout. Tu sais, si je leur promets de mettre BFM TV, est-ce que ça les intéresse ou Biscuit clair, c'est pas mal ça, on va peut-être prendre ça un peu, quoique biscuit clair fera la différence avec ça. Non, pas biscuit clair, il faut un truc un peu plus jaune. Voilà, pêche velours, allons-y, petite orangée. Voilà, un peu coloré. Je me dis, ça c'est une bonne couleur pour la chambre des gosses, tu vois. Un peu coloré, hein, mais bon. Du coup, pour cette entrée. Gris, c'est trop. Du blanc, hein. Du bon vieux blanc. Du blanc. Les petits vieux, ça va leur plaire. Terrible. Après, je vois qu'il n'y a aucun acheteur qui a réagi à tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai nettoyé la merde, j'ai tout repeint, et ils étaient là, oh là là, qu'est-ce que c'est sale. Ils m'ont rien dit sur ma peinture, hein. Moi, pour l'instant, je suis très vexé. Tu sais, même si le rocker... Mais le rocker, en plus, il a augmenté. Il était pas là, c'était les petits vieux avant. Pourquoi le rocker, il a augmenté? C'est parce que j'ai mis du rouge fluo, du rococo. Et putain, tant de questions, aucune réponse. Voilà. Alors c'est la même couleur, mais comme je le repeins parce que je le rénove. Pas de raison, voilà. Parce que le rouge à l'extérieur, c'est rock'n'roll. C'est pas un communiste d'Evergreen. Terrible. Terrible. Voilà. Alors, cette salle de bain, j'aimerais bien en faire quelque chose. Mur. Carrelage mural. Ah, je sais pas encore le poser. Tant pis, panneau, je sais pas les poser. Peinture et plâtre. On va trouver une peinture. Pas une peinture... Citron vert. Je vais tenter un truc pour la chambre à coucher qui est là. Et vous allez me dire si ça touche. Vous allez me dire si ça touche. Hein. Pas le choix de toute façon. Bien. Bob, tu peux poser des carreaux. Ah bon?
Ah non, 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 non. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Pourquoi tu veux pas peindre ? Papin ? Voilà. Tu sais, il était là, Jean-Pierre Papin, il veut pas peindre. Moi, j'étais pas possible. Très bien. Excellent. Là, je fais l'extérieur en blanc. Parce que sinon, ça rend moche. Voilà. Ok. Je vais pas prolonger jusqu'à ce mur. J'ai plus de peau. Très bien. Casa del Papin. Parce que les gens se souviennent seulement de qui est Jean-Pierre Papin, si tu veux. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, Bob, quand même. Hein. Moi, je suis pas dit. Hein. Je... Voilà. C'est lent. Bah, écoute, c'est de la peinture, gamin. Et encore, ça va plutôt vite. Hein. En vrai, une pièce, tu mets une journée, si tu veux. Bon, après, c'est parce que je rame du cul et je suis un branleur, mais... Voilà. J'aime bien. Astuce, il faut que je prenne de la peinture dans le pot. Ouais. Ça me paraît plausible. Quel enfer. Ah, j'ai pas nettoyé la vitre. Merde. Mes vitres sont dégueulasses. Malédiction. Putain, c'est fou ce que je bouffe en pintos quand même. Mais courage. Hardy, hardy, brave gens, c'est presque fait. Les cœurs compagnons. Voilà. Impeccable. Ok. Et vous voyez, j'ai tenté un truc. Je voulais juste peindre un mur en fait. Et je vais coller le lit contre. Ce qui est très con, je m'en rends compte maintenant parce qu'il y a toutes les prises et il y aura le radiateur si tu veux. Mais je m'en bats les couilles. Mais vous m'avez dit de dire hardy. Bah oui. Il aurait peut-être fallu que je peigne ce mur en vert aussi. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en sais rien. En vérité, je n'en sais rien. On va nettoyer la vitre. Adieu, ma vie, sèche bien tes larmes, car c'est pour toi que je prends les armes. Laisse pas s'éteindre le feu, je reviendrai, nous serons heureux de retrouver notre maison. Compagnon. Ah voilà. Toutes les vitres ont été faites. Donc ça c'est propre. Et on n'a aucune lumière. Parce que je suis débilus. Paniquons pas. Le sol. Je pense à un carrelage blanc ici. Du carrelage blanc dans la chambre, c'est quand même kino. Un petit carrelage clair. Rectangle blanc. Ouais, c'est kino ça. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Carrelage dans la chambre, ça donne trop froid aux pieds le matin. Ah bah mon gars, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je mettrai un tapis. Moi j'avais du carrelage dans les chambres quand j'étais gosse. Ça, on peut vendre tout. Voilà. Petit carrelage. Ici, on garde le plancher. Même si le plancher, je pense qu'on va le mettre clair. On va en faire un petit plancher clair. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Là, le parquet stratifié est moquette. Sombre, acajou.
Y a pas du bois clair? Ah. Ouais. Allez. Douskoï. Ok. Douskoï. C'est toujours plus accueillant du plancher clair. Le plancher sombre, c'est vrai que c'est classe. Le plancher clair, c'est quand même l'accueil. Oups, je voulais peut-être pas changer ça finalement. C'était peut-être très con de ma part. Demi-tour. Alors ça, le petit câble kitchenette salle à manger. Ça, c'est imbloquable. Voilà, ça c'est imbloquable. De la musique, parce qu'on... Non, même pas... J'allais dire de la lumière, pas de la musique. Voilà, de la lumière. Grosse lumière en mode Gus DX. Nous sommes dans une maison hantée, où nous allons tenter de vendre des téléviseurs. Allons-y. Encore de la peinture. Mieux parce que ça nous nique les yeux. Voilà. Bouc. Slonk. Nouveau point de compétence. Wouhou ! On s'améliore à une vitesse folle. J'arrive. Voilà, alors voyons voir le point de compétence. Réduit la consommation de peinture de 40%. Ah, mais le fait de peindre plus vite. Ouais, mais la conso. La conso. Ça veut dire qu'on a besoin de moins recharger moins souvent. Et je suis désolé, mais c'est salvateur. Alors, note à soi-même, pensez à faire les bords des fenêtres des revêtements en blanc. Pour que depuis l'extérieur, ce soit pas dégueulasse. For maximum stonks. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé! Les petits vieux, ils sont revenus à la course! La famille! Le mec qui était la fête, les parties, l'alcool, le sexe et les putes. Il est retourné en quatrième position. Martha et ses 56 chats restent en 30e position. Et les petits vieux sont en train de remonter à la course, mais une remontada de folie. Mais on fait la maison pour la famille, hein, je rappelle. Voilà. Pas mal. Dommage qu'on puisse pas repeindre le plafond. J'aurais bien fait un truc au plafond. Ouais. Voilà. Ok, bon. C'est pas mal. Est-ce que je peux avoir du blanc? Du blanc. Du blanc. Merde. Du blanc. Du blanc. Voilà. D'ailleurs, maintenant, tant que j'y pense, faisons toutes les fenêtres. Hein. Bêtement. Si tu réfléchis pas, tu te mets en mode no brain. Merde. J'ai pas du tout... J'ai mis un style un peu rococo subitement. C'était une erreur de ma part.
Parce qu'ici, je crois que c'était pêche cassée ou un truc à la con. Voilà, là, j'ai rien oublié. Voilà, je fais les bords des fenêtres comme ça. J'aurais pas besoin d'y penser. Excellence. Voilà, très bien. Glorp. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. J'ai bien fait le taf. Le taf a été fait, les enfants. Très bien. Et puis là, pff, tu mets sur le canapé en cuir la grosse peinture blanche qui tâche. Horrible. Ce serait immonde. La plus grande des ignominies. Ok, très bien. Donc cet orange, il est bon. Ensuite, est-ce qu'on peut refaire l'extérieur aussi? Genre ces planches-là. On sait les poser ou pas du tout? Est-ce que ça prend des années? Parce que je me dis, bon, bah, est-ce que c'est réellement nécessaire? Voilà. Carrelage de carreaux de céramique. Je peux rien installer dehors. Dehors, en fait, c'est vraiment un terrain qui n'existe pas. D'accord. Ok, je suis déçu, mais tant pis, ce sont les choses qui arrivent. C'est pas ce que je voulais, ça, c'est de l'acajou. C'est pas top. C'est pas vraiment l'effet que je souhaitais. Écoute, ça fera le taf, hein. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, là, on a complètement raté le coup. Boum. Voilà, très bien. Mes excuses. Ok. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. C'est ce que j'ai envie de dire. Hein. La salle de bain. Est-ce qu'on y pense? Bien sûr qu'on y pense. À la question, par contre, les murs. Carrelage mural. Est-ce qu'on sait poser des plaques? Ok. Carrelé, poser des parquets stratifiés n'est pas encore disponible. Fuck. Casse la tienne. Casse la tienne. Alors, mail, maison kitsch, maison à rénover, maison poser des radiateurs, ancienne maison, trop douloureux, ça doit être frais, peint la chambre en bleu ciel, non. Je n'y connais rien en rénovation. Nettoyage, bénéfice, la maison soit habitable, repeignée, changer les toilettes, mettez des radiateurs. Bunker. Transport Déborah, blablabla, 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 des saisons, les conditions s'améliorent. Il me faut une mission avec du carrelage en fait, pour que ils m'apprennent en fait. Enseignant en école primaire, maternelle, propriétaire, ils veulent nettoyer. Trois couleurs différentes dans chaque pièce, des tonnes de jouets partout aussi. Salle de bain et atelier. Que la nouvelle salle de bain soit élégante et pratique. Vous pensez que... Ah, salle de bain supplémentaire indispensable. Faut peindre les murs des chambres. Vous pensez que si je vais faire les salles de bain, ils veulent bien m'apprendre à carreler? Bonjour, je suis venu installer votre maison. Je suis aussi en stage. Détruire les murs. Ça, je sais faire, y a pas de problème. Uri! 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 Uri!
Ça, péter la baraque, c'est facile, ça. Ça, on sait faire. Cette porte. Oui, voilà, très bien. Très bien. Oh oui, Carly, projet des parquets stratifiés, super. La providence, les enfants. La providence. Voilà. Ce mur, t'es sûr? Si tu le dis. Voilà. Voilà qui devrait faire le taf. Couloir 22 mètres carrés, c'est fait. Ici, ils veulent une salle de bain. Est-ce que je peux vendre cette merde? Oui, c'est du pognon, c'est cool. Dévisse tout. C'est vrai qu'on est en 100% maximo poder de vitesse. Souvenez-vous. Ok, très bien. Alors. Une chiotte. La moins chère. La moins chère. La moins chère. Chiotte standard. La douche, la moins chère, standard, du vert bleu, gris, allez hop, impeccable, les gars peuvent pas ouvrir la porte, mais elle est nickel, bon, en plus c'est la douche à installer vite, oui, oh la douche mais pay per view. Lavabo suspendu méridien, la vie est installée, meuble, lavabo avec meuble Prisiat. Lequel est le moins cher? Celui-là il coûte 500 yens de plus, mais il est ancien, il coûtera rien à installer. Voilà. Oups. Oups. Où est-ce que je clique? Ah, quand même. Voilà, ça y est, c'est bon. Oh, c'est trop pratique. Voilà, c'était installé vite. Placer un objet miroir. Rouge. Voilà. Et poser des carreaux de sol, carrelage en céramique gris. Poser des carreaux au mur, carrelage en céramique gris et carreaux de céramique gris. Alors, ok, voyons voir. Ils veulent des carreaux de céramique gris. Et ça, ils veulent ça au sol. Ouais. Il me faut du plâtre, c'est ça. Hein, c'est ça, il me faut du il me faut du plâtre. Je suis pas sûr. C'est au mur ça, c'est muro ça. Ah bon? Oh là là, ça met sa vie. Oh non! Oh non! Oh non! Oh, ça met 19 ans! Oh non! Oh! No puede ser! No puede ser! No puede es posible! Qui est este poder? Oh putain! En plus, c'est trop chiant! Non, au secours! Je peux pas ouvrir! No puede ser. Réfléchis. Pique une chaise.
Le mec il carrel du bout de la bite. Bon, c'est des méthodes, hein. C'est des méthodes avancées, bien sûr, madame. Ici, nous sommes des professionnels. En multijoueur, ce jeu, il serait fou, hein. C'est dommage que ce genre de jeu ne se fasse pas en multijoueur, mais moi, j'aurais invité Fred et Seb, si tu veux. On aurait carrelé, on aurait eu l'air des cons, on aurait fait n'importe quoi, on aurait revendu des maisons, enfin voilà, quoi. Ça prend sa vie au secours. Quand est-ce que je gagne un point? Au secours. 6 montages d'équipement, plâtrage de trous dans les murs. Tu gagnes pas d'XP en carrelant? Tu gagnes pas d'XP en carrelant? Il faut que j'arrête. Je peux pas sortir. Y'a rien à installer là? Vous avez pas une petite prise électrique, madame? Oh putain! Oh non! Oh putain! Vaincu par du carrelage! Oh là là! Quel enfer! Nos poids dessert! Bon, c'est pas grave. Vendons ça et installons l'autre carrelage qu'il veut, c'est. Voilà, du carrelage mural de céramique grey. Bon, au moins, on aura appris à retaper notre maison. Pour le prochain épisode, on va pouvoir se saucer, si tu veux. Et ça, c'est fantastique. Et ça, culturellement, ça n'a pas de prix. Comprenons-nous bien. Voilà. Voilà, elle voulait du carrelage mural en gris et en céramique grey. Donc elle a les deux là. Carrelage mural en céramique gris et carreau de céramique grey. Ça c'est de la céramique grey. Impeccable. Mais je sais pas pourquoi vous excitez là sur le chat. Là, là c'est pas ça, mais si. Regarde. Ça se fait, regarde. Boum. T'as placé des tuiles sur ces tuyaux, enfin des carrelages sur ces tuyaux, quel enfer. Oh putain. Comment j'aurais dû acheter le premier niveau, d'avoir 3 tuiles et de les poser plus vite, ça aurait été tellement plus simple. Je suis vraiment qu'un enculé mais notoire. Notoire, hein. Vous excitez sur rien, pour rien sur le chat, je fais tout comme il faut. Oh, le point de compétence, dis-moi que c'est pour ça. Dis-moi qu'on a gagné des points sans que je m'en rende compte. Oui! Ah, oh, il y a une providence. Voilà, 100%. Impeccable. Donc ça, du coup, on peut le vendre. Boum. Ensuite, hein, poser les carreaux en carrelage céramique gris. Boum. Black, comment ça... Ah, d'accord. D'accord, eux, par contre, c'est... Ok, d'accord. Boum. Voilà, très bien. Salle de bain, c'est fait. Eh ben, elle est pas dégueulasse, alors... Ah oui. Instant confort. Eh ben, elle est pas dégueulasse, leur salle de bain. Je suis content de mon taf. Bon, si j'avais dû choisir, j'aurais inversé les deux, hein, mais j'ai mal joué. J'ai mal joué. Ça, c'est une salle de bain, on s'en fout.
peindre avec les couleurs bleu ciel. Alors ça, c'est de la peinture, je sais faire. La peinture, ça va. Rien de plus simple. Un pot ou deux pots. Prendre deux. Voilà, la peinture, c'est ce que vous pouvez considérer comme étant le plus chiant. Et en temps normal, vous auriez raison. Je fais comme ils ont fait, c'est-à-dire je vais pas peindre l'intérieur des alcôves. Avec le perks économie, de toute façon, je devrais pouvoir peindre vachement plus. Et de toute façon, les prochains points d'XP que je gagnerai me permettra de peindre plus vite. Donc, il n'y a pas de mystère. Information. Tu peux terminer le chantier et te casser. Ah, bah là, on se fait du bon pognon, là. On se fait du bon pognon. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va finir les 3-4... Les 3-4 pauvres bouts de peinture qui se battent. Ça va prendre 2 minutes. Voilà. Pognon, il est là. Pognon, il est là. Quand même, hein, j'aime bien le mail de la mégère. Hein. Oui, je vous appelle parce que j'y connais rien en rénovation. Et moi, j'y connais rien en cuisine, mais je vais pas te demander de me faire un sandwich. Mal parlé absolu. Le mec, il vient chez toi, c'est un réparateur, mais il te parle trop mal. L'insulte est maximale. Voilà. Pourquoi 77%? Ça compte, ça, tu vois? Ça compte. Et l'extérieur, c'est pour voir. L'extérieur ne compte pas, d'accord. Le pilier extérieur ne compte pas. Je sais pas, on a tous appris quelque chose aujourd'hui. Et hop. Et ça, c'est le dernier pourcent. Ah non, 99. Je le vois. Voilà, c'est bon. Impeccable. Et du coup, ça me dit que je suis fini à 2/3. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Modifier la disposition des pièces. Ah non, mais ils veulent que je peigne tout. Oh, je me casse. Allez, je prends le pognon. Impeccable. J'ai même pas laissé le panneau. Le panneau de la gentillesse de la maison. J'ai laissé les pots de peinture. Les gars, ils se démerdent. Je m'en bats les couilles. Ah. Et donc maintenant, je sais carreler. Ça va être immonde. En fait, mon plan, c'était de carreler sur la moitié basse. Et après, en haut, de faire une peinture. Mais écoute, j'assume les choix de mes erreurs. Ça va être dégueulasse. J'assume les choix de mes erreurs. Par contre, il y a Monsieur Stockholm là, Monsieur Connard qui veut payer pas cher, qui est au taquet. Et il y a la famille Pierre à Feu en dessous qui en peut plus. Hein. La famille main dans le slip. Hein. Alors donc ça, voilà, là, y a la... ça c'est quoi? C'est les chiottes? Non, ça c'est l'évier. Ça c'est les chiottes et la douche. La douche, elle est là. C'est vraiment les années 70. Hein. Ah bah moi je vis les Sims si tu veux. Hein. Je vis le rococo. Rococo forever, gars. Rococo si Freddy. Hein. Ah merde, j'ai plus de carrelage. Chier. Ah. Et encore. Hein. Je ferai sans doute une ellipse pour le prochain épisode pour installer les meubles.
Mais vous en faites pas, on la vendra ensemble cette maison. On vivra une expérience folle. On se fera baiser, mais tous ensemble. Ça ne fait aucun doute d'ailleurs. Si j'appuie sur Start, ça fait vendre la maison. Est-ce que on la vend en l'état ou c'est juste une proposition? Juste pour voir ce qu'ils en donnent, si tu veux. Ah putain, juste pour les trois derniers carrelages restants, je suis deg. Tu veux. Voilà. Voilà, ça je vais peindre en blanc. Ça j'aimerais peindre en blanc. J'espère que je peux peindre par-dessus. Ah putain! Regardez. Il m'en manque une, bâtard. Je suis deck. Voilà. Ok. Très bien ça. Ouais, c'est bon, je peux le repeindre. C'est bon, je peux le repeindre. Dieu merci. Voilà, la petite peinture anti-flotte. Voilà. Ça donne un genre, c'est fait exprès. Et là. Voilà. C'est dégueulasse. Oh, c'est bien. C'est très bleu. Les avis qui sont extrêmement partagés sur le chat. Hein. Moi, j'en suis content. En plus, vous remarquez qu'il y a la prise électrique juste à côté de la douche. Tout est calculé. Alors, douche. Il me faut la douche la plus poder possible. Voilà, super ça. Super. Avec du verre bleu. Et on la veut blanche. Ok, elle peut dépasser de l'infini. D'accord, et apparemment elle peut donner sur la fenêtre. Je regrette Jean-Pierre. Ok, bon bah je regrette rien. C'était somme toute assez rapide. C'est pas. Par contre, la prise électrique. Spéciale sécurité, nous monsieur. Ici, à Bob Lennon Production. Nous sommes conscients des défis que relève la sécurité familiale. La douche qui clip, c'est parfait. En fait, non, c'est dégueulasse. Donc je la vends et je recommence. J'ai perdu 3000 yens, mais écoute.
Voilà, c'est tout de suite plus humain. Parfait. Bien mieux, bien mieux. Ensuite, il nous faut un évier. Évier. Lavabo plutôt. Lavabo. Lado suspendu, Shannon. Suspendu, non. Lavabo machin. Lavabo suspendu, Lamont. Lavabo Glen. Lavabo ancien. Lavabo meuble. Lavabo avec machin. On va voir par ça. Puff. Caler contre le mur, ce qui est parfait. Mucho poder. J'espère que j'aurai la place de mettre les chiottes. Électrique, bien sûr, juste à côté du bassin, pour être sûr que si bébé veut se suicider, le pack WC ému, émis, flatty, pack standard. Écoute, on va mettre des chiottes de qualité. Honnêtement, cette salle de bain, elle est plus qu'honnête, il faut se l'avouer. Il faut oser l'avouer, si tu veux. Carrelage de sol. Alors, est-ce qu'on va full rococo? Ah ouais, vas-y. Ah, quoique, non, ça peut être moche. Blanc 3D, mais c'est pour faire semblant. Mais le carreau de céramique tourbillon blanc, allez, on s'offre. Oh non, il est dégueulasse. Je regrette Jean-Paul. Oh non, c'est immonde. Secours. Oh, j'ai aucun remords! Et en vrai, ça lui donne un genre, hein? En vrai, c'est un style! Alors je suis en roue libre. Je tiens à dire, brave Jean, la roue libre est totale. Il n'y a plus aucune responsabilité qui. Il n'y a plus personne dans l'avion. Il n'y a plus personne dans l'avion. C'est plus personne ne dirige. Il n'y a plus aucune direction artistique là. Kojima. Kojima, il est aux chiottes. Kojima, il a été enterré, là. Non ! Ah ! J'ai glissé. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On se dit que c'est bien. Allez, on se dit que c'est bien. Je me sens généreux, on se dit que c'est bien. Pas plus grand.
C'est ridiculement petit, ça. Oh là 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 là. Ça, c'est pour l'entrée, ça. C'est pas mal, ça, pour l'entrée. Ok, attends. Pour le miroir... Je chiale du sang. Eh non mais... Module de miroir. Achat multiple. Ah. Ouh. Ouh, attendez. Ah non mais il veut pas que je les colle... Je laisse. Gros miroir, ma gueule. Gros miroir, baisez-vous. Gros miroir, baisez-vous. J'ai envie de rajouter. Qu'est-ce qu'on rajoute de plus dans une salle de bain? Deux salles de bain. Machine à laver. C'est vrai qu'une machine à laver, ce serait un geste. Machine à laver, ce serait un geste. Mais je suis pas sûr qu'il l'achèterait plus cher. Pas sûr qu'il l'achèterait plus cher, ces enfoirés. Non. Et puis, deux salles de bain. Porte-serviette. Accessible pour les petits. Bon, même s'il est placé mal, je reconnais qu'il est placé très mal. Hein. Et enfin, papier toilette. Papier. Porte-papier toilette avec rabat. Du papier peint à l'infini. Porte-papier toilette crène. Papier toilette sorti. Du papier cul. Porte de papier toilette en rouleau en soie. Rappelez-vous, ils sont vieux. Radiateur à salle de bain. Ah merde, mais j'ai déjà un radiateur. Bon, il sera au chaud. Ah, ils vont pas avoir froid. Hein. Mais là, il y a un luxe de papier cul qui est absolument infini, hein, je tiens à dire. Et enfin, est-ce qu'on peut avoir une étagère murale? Alors
ça fait exprès. Et là, on veut un néon. Et là, on a un bouton. On a un bouton pour la. Ah. Ouais. Par contre, il met la max, le néon. Plafond. Histoire que tu voyes ce qui t'arrive quand tu... Cette usine nucléaire. Bon, écoutez, pour la lampe dans votre salle de bain, j'ai installé un anneau du CERN. Pensez à bien revendre votre électricité à EDF. Le degré de violence. Ah putain. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas le Ritz. Mais c'est sûr que bon. Par contre, les petits vieux, ça les a excités. Hein. Les petits vieux, ça les a excités. Allez, vendre la maison, fais voir. Maison achetée pour 7 millions. Terrain autour de la maison, une surface de plein de carrés. Tu disposes d'un budget de 2. Temps de travail passé de 58 minutes. Vendez une maison aux enchères. Je peux pas. Je peux pas parce que j'ai rien installé. Il n'y a rien qui marche. Cette salle de bain est juste... immonde, chers amis. Et ben voilà, c'était un épisode un peu long, je vous l'accorde. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à laisser votre commentaire, à dire ce que vous pensez de cette salle de bain. Elle a une porte sur 20. Porte. Porte, 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 porte. Porte bol sué, c'est quoi ça? C'est une porte-fenêtre. Oh, la porte de maison échangiste. En vrai, c'est imbloquable. Hein. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est audacieux. On va dire que c'est audacieux. Eh bien écoutez, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, braves gens. Je vous ai mis tout ceci en accéléré, hein. Vous en faites pas, j'ai fait un peu de montage. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine dans un épisode de House Flipper. C'est ça qui est bon. Allez, zou. Il n'y a pas de lumière. C'est lumière. Cette pièce, hein. Qui est caché là. Cette maison qui est une fraude.
Iris dans la douche.